Hey yo tout le monde, on se retrouve pour un live dans lequel on va démonter un autre PC. Bonjour, bonjour. Salut Afimat. Donc, oups, on va muter ça, on va muter ça. On va. Ok, excusez-moi pour ça, hein. On avait le petit retour au calme du live. Donc, oups, on va pas accrocher la table si possible. Salut le hipster du futur. On va essayer Ouais, c'est bon. Salut Monsieur Tech Show. Bon, déjà de base, car ça s'écrit qu'un K. Et deux, je m'en fous un peu des blagues parce que c'est ça, hein. C'est ça, c'est tout. Faut bien avoir une intro, hein. Donc, est-ce que, ouais, c'est bon. Donc, nouveauté pour le live d'aujourd'hui, on a deux vues. Non seulement on a la caméra du haut, on a la caméra du côté. Yes. Donc, si jamais, par exemple, je fais le cable management, quoi que ce soit ici, ben, vous êtes capable de voir qu'est-ce que je fais. Ça, c'est cool. Et on va rebouger ça sur la caméra du haut parce que pour l'instant, c'est ce qui fait du sens. Salut à Black Call. Le hipster sur le chat Twitch, je démonte un PC. Puis c'est le PC que vous allez voir pour le tutoriel de montage PC. Voilà. Donc, on va juste prendre le chat en pop-out, comme ça on peut le regarder. Regarder les deux chats en même temps. Poup, voilà, c'est bon. Ok, on peut commencer à démonter ça. Donc, beau petit PC, c'est probablement vu la majorité des pièces ici. S'il n'avez pas encore vu ce PC-là sur les réseaux sociaux, ben un, followez-moi sur les réseaux sociaux, hein. Puis deux, oh mon dieu, mon téléphone me pète les oreilles. Qu'est-ce que j'allais dire déjà? Ah oui, c'est ça, vous allez le voir dans le tutoriel de montage PC. Donc, ouais, on va prendre le plateau magnétique parce que ça va être pratique pour récolter les vis. Tada! Donc, hey, salut Troufman, comment vas-tu? Encore une fois, je pense la quatrième fois que je mentionne ton nom pour dire merci pour l'hardware. Parce que moi je suis pauvre et j'ai pas d'hardware à tester. Donc, c'est ça. Priez à Troufman parce que sans lui, il n'y aurait pas de tuto PC. Puis il n'y aurait pas de live PC. Parce que le seul hardware que j'ai, ben c'est dans mon PC. Ben du moins pour tout ce qui est carte mère, CPU et tout là. Oh là là. Tout le monde me parle. Tout le monde me parle. On va juste mute le téléphone vite fait. Pop, pop, cool. Ok, donc on a enlevé le GPU. On va le mettre de côté, hein. Ouais, juste ici, sur le bureau. Nice. Donc, on va enlever le SSD. Si il veut se déconnecter, ouais, c'est bon. Puis, on va en profiter pour tout remettre. Mais les pièces dans leur boîte. Cool. On peut y aller un peu n'importe comment là, tant que je fais attention aux pièces. J'ai pas d'ordre précis pour démonter un PC en général. Pas de PC, pas de live, pas de contenu. Il y a du dossier pour janvier 2017. Yes. Nice. Ouais, j'ai essayé de parler à ASUS et compagnie pour essayer d'avoir des cartes mères parce que je pourrais pas prendre des cartes mères à Isaïe à l'infini. Hein. non, sérieux, il y a l'ami qui va m'envoyer une carte mère à AMD prochainement. Donc, on va profiter de la deuxième petite vue qu'on a ici quand c'est pratique de l'avoir. Comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Hey, salut Taos! Ça va bien? Yes, swag!
Salut Corentin, si j'ai pas déjà mentionné ton nom. Salut Tech Test. C'est un honneur que ce soit la joke du YouTube québécois, tout comme Caribou de Alfred Hébert, champion, merci. Ouais, j'avoue qu'il y a pas mal de blagues sur le YouTube québécois. Si je peux en faire partie, why not? Les memes. Eh oui, Benji se faire connaître, Benji populaire, hein. C'est le boy. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié que le ventilateur est aussi connecté de l'autre côté. Hein. Ah, ça va être un petit défi, ça, un peu plus tard. Je crois qu'en ce moment, le plus logique, ça va être de démonter le AI, le All-in-One. C'est pour ça qu'on va enlever le haut comme ça. Et on va le mettre de côté. Allez, donc, j'en profite aujourd'hui pour démonter le PC parce que en fin de semaine, on reçoit déjà pour Noël et je dois tout démonter le setup pour accueillir les gens pour Noël parce que ça fait pas très beau accueillir des gens quand on sous-sol, pardon, je sais plus parler, est rempli d'ardoire, puis on peut, ben, ok, ben cool ta vie, mais nous on veut manger. Donc, c'est ça. Déjà de démonter le H1 V2 parce que il va dans mon PC, hein. C'est le H1 V2 que j'ai acheté moi-même. Donc, j'ai hâte que mon PC le retrouve pour retrouver mes performances. Ok, c'est bon. Apparemment, le live ça va bien. Et cette fois-ci, je suis fier de moi. J'ai pas oublié de lancer le record local pour que la rediffusion ait une qualité potable. Je suis fier de moi, je suis fier de moi. Poup, juste comme ça ici. Là, le radiateur va bientôt tomber. Mais non, il est soutenu par le bloc, donc ça va. Il devrait pas tomber. Donc, tu connais ce possible d'avoir le ciel? Oh oui, comme Troupan l'a dit, il y a des alimentations qui ont une interface numérique qui se connecte par USB pour vérifier le voltage sur chaque rail, regarder la charge en ampères, en watts et compagnie là. Corsair en fond, Cooler Master en fond. Après ça, les autres marques qui ont un truc numérique, je ne les connais pas par cœur pour les restes. Ok, non, c'est bon, j'ai pas fait tomber le radiateur. C'est bon, c'est bon. Ouais. C'est quoi qui bloque en ce moment? Ah, c'est ça. En ce moment, je fais ça totalement de la mauvaise façon, là. Mais, je n'ai même pas réfléchi à ce que je faisais. Ok, on va devoir remettre le radiateur en place parce que je dois aller de l'autre côté. D'ailleurs, on va changer de vue pour la caméra. Touc, voilà, cool! La deuxième vue, le white balance est tellement pas bon, mais j'ai pas le temps pour jouer avec ça en ce moment. Donc, on va faire avec pour ce live. Et boy, ok, c'est lourd. Ouais, c'est bon, le radiateur il tient. Poup, voilà. Deuxième side panel ouvert. Ah, là, c'est la triste étape de défaire le cable management. D'ailleurs, j'aurai besoin de pinces pour ouvrir le tie wrap. Je sais pas c'est quoi tie wrap en bon français là, comme qu'est-ce que vous dites en France pour les attaches de ce style-là, là. Les petites attaches qui viennent se clipper mais que tu peux pas déclipper, là. Les attaches non réutilisables. Je sais pas comment vous appelez ça, mais ce serait pratique de savoir parce que les anglicismes quand ça vient sur YouTube français, ça passe pas toujours bien. Ok, nice. On a débranché le module de contrôle des HD 120. On va acheter ça là-bas. Cool. Là, en théorie, on devrait être capable de faire ce que je voulais, c'est-à-dire de sortir le radiateur avec les ventilateurs en un morceau. Ouais, celle-là de fonctionner. On dirait. On y croit, on y croit. On n'y croit plus. Est-ce que c'est encore coincé ou c'est juste moi qui est fou? Ah non, c'est juste bon. C'est coincé. On va venir le décoincer vite fait.
Ok, cool. Nice. Maintenant, on a toutes les câbles défaits. Juste rouvrir le chat Twitch au cas où il y a quelqu'un sur le chat Twitch. Hey, Overclocking TV, merci Izay pour le host. C'est toujours pratique. C'est toujours sympathique. Magie. Ok, Ok, non, vous m'entendez toujours apparemment. Non, c'est bon. Mon casque il dit que c'est éteint, mais apparemment c'est juste les écouteurs qui se sont éteints, quelque chose du genre. Je sais pas trop, mais j'ai entendu le bip dans mes écouteurs. J'espère que c'est pas la batterie qui est en train de mourir. Vous aurez remarqué que la grande majorité de mes lives, quand c'est pas planifié comme ça, j'y vais en mode totalement YOLO, je suis pas planifié, puis c'est pas plus grave que ça. Ça fait un live sympathique. Parce que oui, je viens de finir de filmer les facecams pour le tutoriel de montage PC, puis là j'étais genre, ouais, sauf que le montage vidéo, je peux le faire à peu près n'importe quand, mais le démontage PC, faut que je le fasse avant fin de semaine. Demain, je passe du temps avec Madame TQC. Vendredi, examen et préparation pour le fait qu'on soit samedi pour la famille pour Noël. Même si c'est une semaine en avance, je suis au courant là. Ça c'est un autre sujet de discussion. Bref, en gros, c'est soit aujourd'hui ou jamais. Donc, aujourd'hui. Ben jamais, j'exagère un peu là. Mais vous avez compris. Ok, là on a de la pâte thermique partout. On va essayer d'éviter de s'en mettre partout aussi. Donc, il me reste plus beaucoup de filtre à café pour le nettoyage. Mais on va faire avec ce qu'on a. Voilà, parce que ça serait un peu triste que je te remette ton CPU avec plein de pâte thermique partout, hein, Isaïe. Je pense pas que t'apprécierais. Mais non, je suis un gentil monsieur, donc je vais te le remettre en bon état, tout propre, tout brillant. Voilà. Tout brillant, magnifique. Tada! Ok, là on va venir. On met ça de côté, puis on va venir nettoyer le radiateur, le bloc, pas le radiateur. T'as jamais vu de démontage PC? Eh bien, tant mieux parce que j'en monte probablement autant que j'en démonte. Soit parce que les PC que je monte, c'est des PC temporaires comme celui-ci pour le tutoriel, ou que c'est pour parce que je reçois des PC usagés puis je dois les démonter pour ben, les upgrader et compagnie, là, les changer certaines composantes, etc. Poupoulop. Faut que j'aille à l'épicerie acheter d'autres filtres à café pour nettoyer les CPU. Puis les blocs de refroidissement. Oui, j'ai déjà démonté la carte graphique. Elle est ici. Tada! Ok, cool. On va la remettre de côté. Je crois que je vais laisser les HD 120 sur le radiateur pour la simple raison que je crois les utiliser dans mon propre PC. Avant, j'utilisais les SP 120 avec des LED bleus, mais là, ils sont RGB, donc pourquoi pas. On va les laisser dessus, puis je vais m'en servir dans mon propre PC. Donc, on va les porter ça sur ma deuxième table de montage PC. Donc, on me texte encore une fois. Ouais. Je vais chercher les liens d'Overclocking TV pour le matériel, évidemment. Je crois que c'est plus la rediffusion que je vais vous mettre, t'inquiète pas là. C'est juste que là pour le live. Overclocking TV. On va aller chercher YouTube vite fait. Puis je mettrai le lien. Le vrai lien, je mettrai tous les liens Isaïe pour dans la rediffusion vers Overclocking TV. Voilà. Ok, maintenant si vous rafraîchissez, la description devrait être à jour. Troufman. Voilà. Hey, salut, HardwareFR, comment vas-tu? Voilà. Ok. On va venir débrancher le 8 pin CPU si j'y arrive. Ok, c'est bon. J'ai un peu de difficulté. On est arrivé. Et le 24 pin, c'est bon. Ok, quoi après?
Chat Twitch? Rien dans chat Twitch. Cool, c'est plus simple comme ça. Hein. Non, les gens préfèrent YouTube, les chats Twitch, mais pas moi, pour la simple raison que j'ai plus de public sur YouTube. Mais au moins, le stream est sur les deux. Donc, si vous allez sur Twitch, puis vous préférez Twitch, ben, tant mieux. Tout le monde est content parce que, peu importe ce que vous aimez, je stream sur les deux plateformes. Voilà. On va essayer de tirer les câbles. Là, ces câbles-là, ils sont pris ici. Ah non, ici, c'est bon. Ça va avec le H100IV2. Donc, on va aller le porter avec le H100IV2. Un peu normal. On va venir tirer l'alimentation du PC. D'ailleurs, on va changer de vue. Poup. Voilà. Petite gorgée d'eau. Comme config PC, c'est. Ouch, je me suis coupé. Ouch. Ça saigne. C'est pas beau à voir. Je me suis coupé. Cool. Si vous êtes intéressé, hein, il y a du sang. Waouh, c'est dégueulasse. Je crois que je vais aller gentiment chercher un bandage. Ouais, je vais faire ça puis je reviens. Donc, voilà, c'est bon, je me suis mis un bandage, je me suis pas vidé de mon sang. C'est bon, j'ai un bandage, ok. Je suis pas mort, inquiétez-vous pas. Voilà. Donc, comme vous avez vu en description, petit shout-out à Overclocking TV pour le matos. C'est bon. Donc, je suis encore vivant, j'ai encore mon doigt là, je saigne juste un peu. Je sais pas où je me suis coupé sur quoi, mais en fait je veux même pas le savoir. Mais bon, histoire de montage de PC, hein. C'est toujours comme ça. Oui, donc comme config, c'est un i7-4770K, 1 GB Z87 XOC, une GTX 760, un H100IV2, une alimentation. Corsair CX 650M, un SSD Corsair Force LE, puis des ventilateurs HD 120 RGB. Voilà. Donc, je me serais attendu qu'au fait que je me suis coupé et que j'ai montré du sang sur le stream, ça efface des vues, mais apparemment pas. Donc, j'ai officiellement prouvé que le clickbait, c'est de la merde. Bref, non, c'était pas rendu clickbait, mais bref, je me suis quand même coupé en stream. Voilà. Donc, rip-moi. Ok, on va tirer l'alimentation sans trop tout briser si possible. Ok, cool. On a sorti l'alimentation. Je vais prendre le temps tantôt de tout remettre dans leur boîte respective. Ne vous inquiétez pas, je suis quand même plus organisé que ça. Les câbles de l'alimentation, ça va là-bas. Donc. What's next? Le chat est assez calme. Posez vos questions, les amis. Je suis là pour ça. On va enlever les deux barrettes de RAM no name. Et les mettre sur le tapis de souris. Comme ça. Cool. On va débrancher les ventilateurs qui restent. C'est bon, il reste plus de connecteurs sur la carte mère. J'allais m'étirer pour chercher la boîte de la carte mère. Pour la poser dessus une fois qu'on va finir avec.
Tu penses quoi de la carte graphique intégrée GTX 6150 SE Enforce? Eh mon dieu, c'est vieux, c'est faible, hein? C'est pas du nouveau, hein? J'imagine que même les graphiques Iris Pro de dernière génération sont plus puissants que ça, là. Je suis pas mal sûr, hein. Donc je vais faire le tri des vis après parce que je les mets tous dans le panier magnétique, là. C'est peut-être la meilleure des choses, mais je prendrai le temps tantôt en même temps de répondre à vos questions là. Ok. En théorie, cette vis-là est démontée, mais elle ne peut pas s'enlever. Pas grave. Ouais, c'est pas très bon. Hein. Falloir que tu fasses un petit. En fait, tu peux même pas upgrader parce que c'est sur portable, si je me trompe pas, ces cartes graphiques-là. Hein. À moins que ce soit sur un vieux chipset intégré. C'est possible. Tu sais, sur le desktop, je t'encourage fortement à te changer de carte graphique ou en ajouter une, tout simplement. Ah ouais, 50 FPS sur League of Legends en very low. Ouais, rip, je comprends. Et il nous reste deux vis enlevées dessus de la carte mère. Puis tout devrait être beau juste après. Et voilà. Poup. En théorie, la carte mère devrait s'enlever. Ah non, il reste une vis. Je suis con. Ok, nice. Là, la carte mère devrait s'enlever. Ouch. Je me suis encore. Je suis à 20 de me tuer à force de faire ce PC là. Hein. Je me cogne, je me pince, je me. Oh mon dieu. C'est horrible. Ok. C'est bon. Ma carte mère est extirpée. On va prendre la plaque EOSHIELD avant de l'oublier là. Nice. Puis voilà. Le boîtier est vide. Donc là, on va tenir la carte mère juste ici, vite fait, pendant que je vais chercher. Qu'est-ce qu'on a besoin à l'intérieur? Donc le petit truc à CPU, le couvert à socket. Je pense que c'est tout. Ça, on va le remettre à l'intérieur tout à l'heure. Ok. Ah ouais, c'est sûr que c'est un PC bureautique avec un Athlon. X2 215, ça va être dur à upgrade, mon ami. Il va falloir que t'économises un peu. Ok, voilà. Ah, j'ai même pas enlevé la backplate de la carte mère. Hein. Une chose j'ai remarqué. Ok, on va ouvrir ça. On va prendre notre CPU. Oups, c'est bon, j'ai pas brisé le socket. Je suis fier de moi. Oups, comme ça. Bien, on va fermer le socket avant de l'endommager. Ça m'est jamais arrivé, mais je connais bien des gens à qui c'est arrivé, puis c'est pas très agréable. On va remettre le petit couvert. Comment ça se remet déjà ça? Ah ouais, comme ça, c'est bon. C'est bon. On a presque fini avec la carte mère. En fait, là, je vais remettre la vue du haut. Une nouvelle barrette de RAM. Non, je vois pas de quoi tu parles, mais. Ah, peut-être que tu parlais à Arthur. Ouais, ça pourrait aider dépendamment de ta configuration de RAM là. On va enlever les petits supports à H100V2 de la carte mère. Toup toup, voilà. Et la backplate comme ceci, c'est bon, on a enlevé la backplate, finito les amis. Donc en théorie là, le PC est démonté, mais évidemment je vais pas arrêter le live ici, juste regarder une deuxième fois sur le chat Twitch, rien qui se passe, cool. Ouais, c'est normal que t'aies pas les full 2 Go utilisables parce que Windows s'en réserve à lui-même. Hein.
Ok, donc on va prendre la carte main, on va la mettre ici vite fait sur le carton qui conduit pas l'électricité, donc ça va. Et le stack anti-statique, il est juste sur mon autre table là-bas. Et voilà. Là, je fais ça avec un. J'ai l'air un peu stupide en ce moment, mais c'est juste que j'ai un doigt qui est blessé, donc c'est un peu difficile. Ok, c'est bon. Ok, on a fini avec la carte mère. Et on va s'assurer que je redonne tous les AI. Donc la plaque IO Shield, le CPU, le deuxième CPU qu'il m'a donné. Ben, il m'a prêté, pardon. Ouais, le petit truc qui va sur la carte mère, juste ici. Poup, comme ça. Je crois que j'oublie rien. Au pire, si je vois quelque chose qui m'appartient pas, je le remettrai dans la boîte avant de tout te redonner, Isaïe. Voilà. Tu préfères payer combien par particulier pour monter un PC? Ça dépend. Si t'es au Canada, en fait, non, attends. Je rectifie mon tir là. Si t'as zéro expérience, t'as jamais fait ça de ta vie, absolument rien. Si, mettons, c'est un ami à toi, puis il te fait confiance, puis t'as un peu l'expérience, tu peux charger quoi? Moi, ici, je charge environ 100$ pour un montage professionnel, un montage bien cable management et tout et tout. Après ça, c'est à toi de voir les magasins dans ton quartier. Tu regardes les magasins dans ton quartier, puis tu retires, je te dirais, 15% de leur prix pour avoir un prix compétitif parce que toi t'es pas une compagnie. Puis à partir de là, c'est rentable. Puis voilà. Ok, cool. Yo, Matt Osso là. Hey, salut à Mr. Vaking. Content de te revoir ici. Donc là, on va commencer à tout remettre les produits dans leur boîte respective. Commençant par le SSD et l'alimentation. Parce que c'est les deux plus simples à faire. C'est bon. Ok. Donc, le SSD c'est ultra simple. On va venir ouvrir le paquet. Salut Punk Trooper. Comment vas-tu? Comment vas-tu? D'ailleurs, c'est un démontage PC, mais si vous voulez voir un montage PC, ben écoutez le live, écoutez la rediffusion à l'envers, puis vous allez voir un montage PC. Non, sérieusement, on va voir un tutoriel montage PC sur la chaîne très bientôt. Quand j'aurai fini de monter la vidéo qui dure genre 40 minutes. Donc, c'est plusieurs heures de montage, 40 minutes de vidéo, hein, je tiens à préciser. C'est bon, le SSD est dans sa boîte, on va le mettre sur le coin du bureau. L'alimentation CX qui retourne dans sa boîte. On va la mettre dans cette petite mousse de protection. Ça fait 30 minutes qu'on est en live, propre. Ouais, mon casque s'est en effet éteint. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai que quand il détecte qu'il n'y a pas de son, mais il s'éteint automatiquement. Après un. Pour sa mise en veille, pour économiser de la batterie. Et voilà, on va tout remettre dans la boîte. Je vais essayer de bien faire ça là. Quoique ça, c'est à moi, puis je m'en fous un peu si c'est pas parfaitement plié. Ah, on va juste y aller à la bourrin, puis juste tout remettre les câbles. De toute façon, c'est pas des câbles qui sont fragiles, mais semblent assez de bonne qualité. Est-ce que ça veut rentrer? Peut-être que oui, peut-être que non. Non, ça veut pas rentrer. Je vais pas déchirer la boîte non plus. On va laisser tomber le plan de ranger les câbles à la bourrin, puis on va bien faire ça. Comme il se doit d'être fait. Tada, ok, on va commencer à bien remettre les câbles pliés dans la boîte. Comme ça.
Bon, là ça devrait un peu mieux rentrer. Et la boîte devrait bien se refermer. Nice. On a l'alimentation dans sa boîte. Cool. Prochaine chose. Qu'est-ce que je remets dans sa boîte? Oui, faut que je remette premièrement le ventilateur de base sur le spec alpha. Parce que quand je vais me resservir du PC, faut pas que je me ramasse sans ventilateur. Salut à Valtstanim. Comment vas-tu, mon ami? Bienvenue sur le live. Puis on va chercher dans le fouillis de vis les quatre vis pour ventilateur. Salut Fred 2001, comment vas-tu? C'est nice, il y a 12 personnes sur le live. Propre, 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 considérant que j'ai même pas annoncé le live sur les réseaux sociaux, hein, j'ai dit ça de même. C'est un peu ridicule. J'aurais dû. Comme ça. Malgré que je stream avec une qualité théoriquement totalement merdique de 720p 3 points quelques mégabits seconde, je pense que la qualité de vidéo est quand même potable. Moi ça va bien, merci Fred d'avoir posé la question. Je me suis coupé le doigt en live, c'est cool hein? Mais bon, pas la fin du monde. Ça fait un peu mal, mais on est fait plus fort que ça. J'espère que YouTube vont pas me bannir pour avoir montré des blessures en vidéo. Plein de sang. Non, je déconne. Mais les pas de vis sur les vis de ventilateur sont vraiment gros. Donc ça fait en sorte que les vis sont extrêmement dures à visser. Et on va refaire passer tous les câbles du boîtier dans la section principale. Comme ceci. Comme qu'on achète le boîtier. Nice. Prochaine étape, remettre tous les panneaux latéraux respectifs. Et voilà. Est-ce que je l'ai bien mis en place? Visiblement pas. Ah, peut-être que oui. Non, c'est bon, il est bien en place. On va venir visser. Deux petites vis. Comme ça. Et le panneau supérieur. Même si vous voyez pas qu'est-ce que je fais en ce moment. Pas grave. Comme ça. Et finalement, le panneau vitré. Nice. Et ce boîtier, que ce soit malheureux ou heureux, ça c'est votre opinion. Mais ça y retourne dans sa boîte, puis elle va accumuler la poussière jusqu'à temps que je trouve un projet ou de l'ardoire à monter dedans. Ah, on me texte. C'est Madame TQC, on va lui répondre quand même. Hop. Nice. On va visser le panneau supérieur ici là. Salut à The Energies 974. Comment vas-tu? Bienvenue sur le live. Je vois des vis du PC que. Oh mon dieu! C'est totalement ça que j'oubliais. Cool. Bon, j'ai oublié de remettre les slots PCIe. Je me disais que j'avais trop de vis dans le panier magnétique. C'est ce que je me disais. Ouais, c'est ça, j'ai des vis qui sont pas faites pour ça. Hein.
Est-ce que c'est celle-là? Non, celle-là est faite pour le boîtier. Celle-là est pour la slot PCIe, je pense. Donc, je réponds vite fait à Madame TQC parce que. Parce que je l'aime. Puis voilà. Voilà. Cool. On va revenir mettre nos belles petites slots PCIe pour mettre bel et bien le boîtier dans son état original. Comme ceci. Si ça veut rentrer. Peut-être. Ok, de 1. Comme ceci. Oh mon Dieu, c'est le bordel en ce moment. Mon casque essaie de tomber parce que je suis la tête penchée vers le bas. Vive la gravité. Je vous dis, quand vous montez un ordinateur, la gravité, je pense, c'est votre pire ennemi. Ça fait tomber les vis, ça fait tirer les câbles dans des endroits que vous voulez pas, ça fait tomber votre casque. Tant mieux, tant mieux. Dainoji, que ça va bien. Et voilà, on a. C'est tout ça. Voilà. Hop. Donc, voilà, il nous manque la petite vis ici pour le panneau supérieur. Comme ceci. Voilà, donc on peut finalement remettre le panneau latéral. Donc. Ok. Prochaine étape. Enlever le boîtier de la table. Hein. Et on va remettre la boîte du DHD 120 dans leur état. Non, ben en bon état, quoi. Ok, donc. Ça a besoin, ça aussi. Nice. Donc. Théoriquement, dans le paquet, il y en a trois ventilateurs comme ça, sauf que. Il y en a deux que j'ai laissés sur le H1 V2 parce que je vais m'en servir. Donc je vais juste en remettre un dans la boîte. Voilà. Remets-toi. Ah non, c'est bon. Mon casque a failli tomber en veille. Je l'ai réactivé juste à temps. Non, le ventilateur. Ah merde. C'est un peu la merde de remettre les HD 120 dans leur boîte par contre. Hein. Comme ça. Allez, rentre s'il te plaît. Le connecteur qui essaie de sortir du carton. Non, reste. Merci. Nice. Cool. On va le remettre comme ça. Et les deux autres petits cartons aussi. Ok. Mais voyons donc. Ok, parce que le petit carton ici veut pas se. C'est bon. Ah, même pas. C'est un peu ridicule. Les emballages de pièces d'ordinateur sont souvent faits pour être déballés, pas être intelligents et faciles
à remballer. Et c'est ce que j'expérience comme problème en ce moment. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va mieux fonctionner comme ça? Hey, j'ai réussi. Cool. Les vis, le connecteur et le guide d'installation. Ça va tous, ils vont tous dans le petit carton ici. Et ça va sur le dessus de la boîte comme ça. Nice. Ouais, c'est bon. Ils sont vraiment belles les bois corsaires, hein. C'est vraiment propre. Le noir et jaune, j'aime bien. Ensuite, bon, la deuxième boîte de HD120 est pleine, puis je l'ai jamais utilisée, donc pas besoin de jouer avec. La boîte de RAM, la RAM est dans mon PC, donc pas besoin de jouer avec ça. Puis ensuite, la chaîne V2, on va remettre les vis dans la boîte. Donc, normalement, je devrais avoir un sac de vis qui traîne. Non. Ah, ok, voilà, il est juste ici. Donc là, ça va être le beau moment où est-ce qu'on va classer les vis, les amis. Ça va être très amusant. Évidemment, je dis ça avec sarcasme. Donc, au moins, je suis habitué à monter la chaîne IV2. Donc, je sais quelle vis va dans la chaîne IV2. Et les autres vis, ben, visiblement, vont aller dans dans le sac de vis du boîtier. Comme ceci. Ça, c'est boîtier, 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 boîtier. Et tout le reste, H2. Ouais, toutes ces vis-là, ça va pour le boîtier. Ça, c'est pas nécessaire. Ça, je suis allé le replacer là-bas. Ok, on a presque fini. Ça s'enligne très bien. J'essaie de remettre le plastique sur le bloc du H1V2, s'il veut bien coopérer. Nice. Ensuite, je crois que je manque en ce moment un sac de vis pour... Ah non, il est juste ici. Ah, c'est bon. Évidemment, au moment que je fais ça, j'échappe un des sacs, puis plein de vis partout par terre. Parce que moi, je suis gaffeur comme ça. Le doigt que je me suis coupé fait vraiment mal, là. Le petit bandage. Ouch. Ok, donc on va remettre les petites vis dans le sac ici. Ok, ça c'est des vis de... Probablement du boîtier, donc je vais les remettre là-dedans. Hey, salut à Félix Murat. Non, c'est... je sais pas pourquoi tu parles à la troisième personne. Hop, 101, hop, tu peux me dire tu, je vais te répondre. Oui, je me suis coupé durant le démontage. Non, jamais fait de recyclage de métaux, hein. C'est processus qui coûte ben, assez cher pour s'équiper, puis qui est un peu dangereux en même temps, là. Salut à Nepos Blies. Tu me conseilles quel boîtier PC pour environ 40-50 euros? Bonne consultation. Bon, je connais pas les prix européens par cœur, donc vite, vite, comme ça, je pourrais pas dire un modèle précis. Mais regarde en entrée de gamme chez NZXT, je crois qu'il y a le Source 210. Sinon, chez Cooler Master, je crois qu'ils ont des bons petits boîtiers entrée de gamme ainsi que chez Corsair. Les autres marques en font des bons aussi. Sauf que je suis pas sûr des prix par contre, donc c'est pour ça que je les conseille pas. Salut Sornax, que tu montes? Non, je démonte un PC, hein. Je monte pas un PC, si c'était ça ta question.
Donc ça va retourner dans sa boîte. Tout ça va aller avec le boîtier. Comme ça. Nice. On va chercher la boîte du H100 EV2. Et mettre les deux ventilateurs que j'avais d'ailleurs jamais utilisés. Comme ça. Ça c'est le manuel de garantie. Ça va là-dedans. La visserie et la mousse de protection. Comme ça. Ouais, c'est bon. Ça rentre sans problème. Ok, salut, Joual 2014 TV. Salut, Stis, les CPU Ryzen sont socket AM4 avec le chipset. Je suis pas sûr du socket ni du chipset qu'ils vont utiliser, mais une chose qui est garantie, c'est que ils vont niveau performance, ils vont pouvoir combattre au niveau des Intel 6800, 6900K et compagnie là. C'est très bon CPU. Pour le prix, ben en assumant, en fait, dans la conférence à ma connaissance, ils ont pas parlé de prix, mais AMD ont toujours là la réputation pour avoir des bons prix, donc je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour du démontage. Je crois que c'est tout, j'ai plus rien démonté, tout est dans leur emballage. Ah, j'ai juste oublié de remettre ça dans la boîte du tout en un. Comme ça. Cool. Donc j'ai fini. Tout ce qu'il me reste à faire, si j'ai pas besoin de vous montrer ça en live là, c'est juste remettre le boîtier de spec alpha dans sa boîte de carton. Mis à part ça, plus grand chose à faire. Donc 47, 48 minutes de live. C'était très bien, c'est parti que vous parlez les amis. Si y a encore des questions, parlez-moi sur Twitter, en message privé ou en tweet comme vous voulez. Puis voilà, donc sur ce, merci d'avoir écouté le live et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.